Salut à tous, c'est Nidless85, comment allez-vous? Moi ça va très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie sur League of Legends. Bien sûr, là je suis tout seul pour le moment à jouer. Je vais jouer donc Volibear. Et on se retrouve histoire de, voilà, de faire un petit peu le point en même temps sur une, pourquoi pas sur une partie de LoL, de faire un peu de point sur ma chaîne. Donc pour commencer d'abord à ma chaîne, je suis très heureux quand même d'avoir autant d'abonnés, au moins quelques-uns, enfin autant pour moi, ça, avoir plus de 30 350 ça fait secondes quand même avant déjà beaucoup l'apparition de Beer. d'avoir d'abonnés, je suis très content de les avoir, ça prouve que ce que je fais Si le n'est destin pas vain. l'ordonne. Et donc vous avez pu voir en ce moment que je diffuse des parties de Final Fantasy là, donc j'ai pu le terminer, donc là je suis à peine à l'épisode 9, mais bon il y en a 34, donc le temps que je les poste, ça va Je durer les un certain combats moment. dans le sang. Donc vous inquiétez pas là-dessus. Ouais, Des sbires sont apparus. non, les sbires sont apparus, on fera ça plus tard. La Donc force et la ouais voilà, donc sagesse des 34 puissants. épisodes, bon là je suis qu'au 9ème, donc vous devez vous dire quand même qu'il y a encore pas mal à faire. Mais bon là-dessus c'est pas grave. Les Concernant ours après ce ne qui va arriver, connaissent je pas compte la faire des peur. parties de Titanfall. Bon je suis pas un maître là-dessus, mais bon moi c'est juste histoire de me détendre, voilà. Donc s'il y en a qui ont Titanfall et qui ont envie de se détendre avec moi en jouant à ce jeu, je vous conseille Fiez-vous à mon vivement voilà, destin. de venir me rejoindre. Moi je serais très heureux de vous avoir à mes côtés pour pourquoi pas se faire des parties assez intéressantes. Pas de pitié pour les lâches. Donc là je me concentre un peu. Donc j'essaie de bien faire mes lastites. Voilà. Partons en guerre. Donc je vous ai pas montré qui y avait en face, donc il y a Riven, Fizz, Kassadin, Jungle, première fois que je vois ça, après je sais pas si ça va donner quelque chose, on verra bien. Hop là voilà. J'ai la bouffe. Foutra la paix. Hop, un dommage. Là, je la laisse récupérer de la marge. Qu'il en soit ainsi. Non, Par la je l'ai force loupé, de dommage. Freljord. Ouais. Je préfère utiliser mon flash, on sait jamais, ça peut toujours aider. Premier sang. Un ennemi a été tué. Ok, donc le mid déjà c'est plutôt bien. Bon, ok, ils m'ont tué, mon gank, j'ai pas vu, dommage. Bon là-dessus c'est pas grave. Je pense quand même réussir à gagner cette game. Je vais juste prendre ce que Riven n'aime pas. Parce qu'après, Partons en niveau guerre. farm, je la dépasse un tout petit peu, donc on est à peu près pareil. Donc voilà, c'est pas non plus excessif. Après, il y a fort à parier que. Un allié a été tué. Oh, c'est quoi La ça? force et la Un sagesse guident ennemi mes a pas. été tué.
Bon après c'est vrai que mes lastites ils sont pas parfaits donc Les ours ne connaissent pas la peur. Qu'il en soit ainsi. Que des pleurs nichards. Pas de pitié pour les lâches. Ah, me stun à chaque fois, j'aime pas ça. Vous me défiez. Un ennemi a été tué. Bah, j'ai. Un ennemi a été tué. Si le destin l'ordonne. Ils ont tué Kassadin, donc parfait. J'ai le combat dans le sang. Voilà, histoire de lui dire c'est qui un peu qui domine ce terrain. Fiez-vous à votre instinct. Oh dommage. Vous avez tué un ennemi. C'est pas grave, là-dessus je vais quand même la battre. Donc voilà, bon pour les vidéos, donc ouais, donc là ça va surtout être du Final Fantasy ce moment-là. Vous inquiétez pas, là il y aura de la partie de LoL celle-ci que je vais vous présenter. Après, comme je vous ai dit aussi, il y aura du Titanfall et Diablo 3, Reaper of Soul. Je pense ouais que je vais faire des petites sessions de 30 minutes. Histoire de voir ce qui est de nouveau, ce qui a changé. Ça vous inquiétez pas, j'en ferai aussi. Que bon le tonnerre. Pas de quartier. Donc voilà, là je suis plutôt arrivé au level 7, 45, à l'EK 27, donc déjà je la dépasse niveau farm. Un ennemi a été tué. Par la force de Freljord. Non ouais, mais là j'y arrive toujours pas à faire cela quoi. Donc ouais, là franchement c'est le meilleur moyen à faire pour le moment, c'est essayer de la faire essayer de pas tomber dans son bump. Après je pense que ouais, je l'aurai facilement tué. Bah ouais, ils étaient deux. Un ennemi a été tué. Bah et là le bot ça c'est bon, ça marche. Les ours ne connaissent pas la... Allez, Irene qui reste loin doit savoir que je la counter la plupart du temps. Quand je joue Volibear contre Riven,
Ils se font éclater en moins de 2, mais là. Un allié a été tué. Ah, c'est pas bon ça. Pas de quartier! Donc là ouais c'est surtout une question de sûreté là que je vais prendre. Non, personne. Mon grondement vous fera trembler. Affrontez la tempête. Donc là ouais là elle a fait une erreur. Généralement faut jouer sur les erreurs. Ouais, je suis tout seul. Donc Alain Bruta, voilà, 10 en peine d'armure. Vous me défiez. Voilà, déjà elle a fait son stun loin de là où elle était, donc c'est plutôt pas mal. Donc là j'ai vu Cassana, je vais la laisser. Un ennemi a été tué. Donc là hop, prenir bien correctement mon Mences. Meurtre. Ah, meurtre en série, c'est bien ça. Allez, petit bac pour voir un peu ce qui nous manque. Donc ouais, ça, il me faut absolument cette Warmog déjà pour déglinguer Riven. Et après, ouais, prendre. Je vais voir pour prendre quelques potions, quelques Warn. Carnage. Ah bah parfait, le carnage. Voilà, donc ça, hop, j'ai. Nice, baby! Une tourelle, Cassana qui est descendu rapidement en bot, et ils vont le tuer. Oh là là, oh là là, ça sent la défaite. Non. Tant pis. Bon, en même temps, avec vu la vie qu'elle a, elle ferait mieux de back. Non, là, pff, foirage. Les ours ne connaissent pas la peur. Allez, reviens, baby. Pas de pitié pour les lâches. Vous n'êtes que des pleurnichards. Le truc ouais c'est vraiment que faut que je la mette, faut que je l'ai en deux fois en fait. Fiez-vous à votre instinct. J'ai le combat dans le sang. Elle a Zol. Donc Chaco est un espagnol. Et hop, la bouffée là, voilà, un dernier coup. Domination. Voilà, je préfère flash, assurer le truc, parce que je sais très bien que Cassadin. Ah shit. Je m'en doutais un peu. Vous avez tué un ennemi.
Ah, et là j'ai le bleu et le rouge, donc là, je pense qu'on va se kiffer là. Ah! Ok. Oh! J'ai pas vu. J'ai pas fait attention. Faut vraiment que je fasse attention à ça. Hop. Après, c'est les risques, hein, comme on dit. J'ai le combat dans le sang. Ah, dommage. Votre tourelle a été détruite. Qu'il en soit ainsi. Ils ont détruit une tower. Bon, c'est la tourelle du bot. C'est généralement les premières qui tombent. Bon, là, c'est vrai que Mid a tombé en premier. Les ours ne connaissent pas la peur. Vous avez tué un ennemi. Votre équipe a détruit. C'est une petite vengeance, on va dire. Vous me déviez. Excusez-moi, je suis un peu enroué de la gorge. Donc là, ouais, là ils vont la tomber. Si le destin l'ordonne. Votre tourelle a été détruite. Fiez-vous à votre instinct. C'est la sagesse. Un allié a été tué. Avec moi vient la tempête. Donc là, c'est une course, on dirait. Voilà. Vous avez été tué. Un ennemi a été tué. Voilà. Allez. Ennemi. Un ennemi a été tué. Allez. Oui. Oui. Yes. Ça a fait un ace. C'est vraiment bien. Ça prouve que quand même on a eu quand même un bon avantage là, sur ce team fight. C'est vraiment intéressant là, c'est dur, c'est serré. Là quand je regarde les kills, ouais, 19-12, bon c'est pas trop serré niveau kill, mais déjà niveau teamfight, on voyait que quand même il y avait quelque chose. Si le destin a détruit une tourelle. Et voilà, ils ont détruit la tourelle. Donc et là il reste plus que la mienne élevée, donc je vais essayer de la garder le maximum possible, donc déjà en retournant au top, faire un petit dépush et essayer de pusher au maximum pour que la tour d'en face là soit au moins à moitié amochée, on va dire. Donc là par contre ce stun raté. Allez. Allez. Bon ils ont tué Kassadin. Bah là. Vous voyez là il faisait ses clics bizarres. Donc là, Riven, ça lui plaît pas que je sois là. Allez, on dépêche.
On va dépêcher comme ça. Voilà. Par la force de Freljord. Un ennemi a été tué. Bien joué sous ça. Donc ouais, là j'ai pris le manteau de spectre, c'est pour déjà ma régène. Rien que mon passif là, 30% en plus. Plus bien sûr, avec ça, je crois que il récupère au moins 20%, 20% ouais, donc 1% en plus, je peux récupérer ma vie entière grâce à ça quoi. Par la force de Freljord. Donc là déjà, hop, même si c'est un stun. Donc voilà, là déjà, je montrais de quoi j'étais capable. Attention. Sur cette game. Donc, un vrai tank comme ça là, ça va faire mal. Donc, ils ont fait une interruption sur le Rise. C'est pas dessus, c'est pas grave. Non, attendez, je suis bête. J'ai oublié un petit truc. Hop. Trois petites warns que je placerai autour ici là, comme ça je vais vraiment arriver les personnes comme on dit. Allez, oh oh oh, doublé. Donc ouais, voilà, Kassadin arrive. Meurtre en série. Ah bon, là c'est vraiment du donnage qu'ils se sont fait. Donnez, Dieu vous le rendra. Ah, c'est mortier. Ok, allez, on va se dépêcher. Okay, ils ont tué le dragon, ouais, ils avaient pas besoin de moi. Hé, hey, coquine, je suis là, hein. Donc là, ouais, là déjà, hop là. Allô. Allez où, coquine? Coquine? Je crois que je l'ai vu là, mais je suis pas sûr. Je pourrais me dire le SS et on va poser nos wards. Ah là. Ce qui m'est un peu marrant, c'est qu'il utilise son hydrobrasse comme ça quoi. Un ennemi a été tué. Par la force. Doublé. De Freljord. Donc là voilà, je suis en meurtre en série. Meurtre en série. Carnage. Ace. Ace, bien joué, bien joué.
Votre équipe a détruit une tourelle. Donc ouais, à l'heure où vous regarderez cette vidéo, je pense que l'épisode 9 de Final Fantasy Lightning Return sera en cours de postage, ou de upload pour certains. Donc voilà, je pense que ça va marcher quand même. Mon grondement vous fera trembler. Domination. Hop. Votre équipe a détruit une tourelle. La force, voilà. C'est la sagesse qui n'est pas invincible. Hop. On aide du mieux qu'on peut. Domination. Vous n'êtes que des fleurs, Michard. Ouais, voilà. Doublé. Et voilà, doublé. Donc on a fait un autre ace. Pas de quartier. Bon, c'est vrai qu'un cassin jungle, j'ai jamais vu ça. Je sais pas vraiment si ça peut aider. Votre équipe a détruit une tourelle. Allez, voilà, hop. Je vais m'échapper, voilà. Deux tourelles de détruite. Donc je fais un petit bac histoire de prendre ce qui me reste. Déjà ça. Et hop. Là après je pensais prendre la cape solaire, mais après c'est vrai que le maillot gelé offre quand même un ralentissement assez intéressant. Même si j'ai du contrôle de foule, au moins toutes mes frappes que je vais faire ça va ralentir. Donc je vais surtout partir sur un maillot gelé. À la base je pars sur un maillot gelé. Et après un statique. Statique pour gagner justement pour gagner justement de la vitesse d'attaque et coup de foudre, justement, ça te permet d'avoir plus de dégâts et tenter le coup critique quand je bouffe. Parce qu'il faut savoir que quand je mange, je peux faire un coup critique dessus. C'est pas quelque chose à laisser de côté, donc. Après, c'est vrai que c'est pas le premier équipement que je fais. Victoire. Donc voilà, c'est terminé. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Vous pouvez voir les stats et tout ça. Donc moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Nidless85, c'est dégueulasse. Ciao, bye bye.